Congo le panda. Congo le panda. Si tu es pas la mouka, Congo. Jimmy a choqué. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa banambuka Congo. Congo lipanda. Asali libango. Congo lipanda. Peningali. Pona ye. Et il se fait que Batouana ba se ligue en bloc. Po ba koisa to ba luka kolzoa raison à côté na bango. Aussi, Boyoki peut vous comprendre. Mais tu rassurez Bino que ça sera le premier dossier dans le Congo. Au temps où tu as constaté, si tu as gagné, tu as besoin de la cima pour que tu aies un bon moto, tu as besoin de manigancer. Eh bien, tu as dénoncé en haut et fort. Le Congo ou le Congolais a droit à une justice équitable et juste et distributive. Question, Moussousou, pour permettre à Pessa Pasteur Bravo à répondre à Olobiwana. C'est mieux que le pasteur Bravo. Pour comprendre la démarche, Ndenge Tobanaki Nango, Ndenge Tokominango. Pasteur Bravo. Non, on ne peut pas déplacer le micro. Alors il va répondre à la fin. Israël, Moutombo, Saint-Moukouti. Bonjour, Moutombo. Nala, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes Nazoloba, d'abord, première intervention sous le contrôle, il y a homme de Dieu à la place. Malinguité, dès que dans la carte à on continue à évoquer voler, il y a chrétienté à la place. Pour la ligne, Naoki Yomo Colombia, qui est le qui pour la balanza. La logique chrétienne, obligeait déjà la démarche. Parce que, en tant que chrétien, même s'il fallait négocier 10 000 fois, vous voyez comme ça. Dans le Bénango, homme de Dieu, a été sous contrôle avec l'Écriture. Je suis chrétien, je maîtrise. Donc, côté à chrétienté, pourquoi évoquer un religieux ? La chrétienne va se faire un ami sur la tout. La chrétienne va mettre sa photo et va tout. La chrétienne va aller dans la justice. Donc, côté où on a pour le Bénango, sur la chrétienté. Donc, comme il a fait, nous sommes. Ça, c'est un. Deuxième. Naoki, on le dit quelque part. Objectif, vous allez poursuivre derrière ces dossiers, c'est-à-dire que le pasteur Moïse a reconnaître Magambo Yassa. Ce que la reconnaissance de vos autres, vous êtes dans le faux. Parce que la reconnaissance, la somme qui est là, on a dit, et il y a aussi la manière dont l'église n'est pas confondue par la contre-église, la contre-église n'est pas peine, n'est pas bien blessée. Vous voyez qu'il y a un frère, on le met lié. Ce frère a été obéi, il 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 a été obéi, parce que la finalité, tant qu'on va couper sa Moïse charge et qu'on va constater que charge est à du corona, il est pour quelque chose, bah dommage intérêt pour ça. Maman n'a pas foutu avec ça. Maman n'a pas beaucoup et encore pour le matin, ton enfant au côté, tout le monde va reconnaître tout ce qui va faire si mon beaucoup de dommage, beaucoup soit un peu. Et combien, aux autres estimés, six fois dommagé, maman va y avoir dit à couper ça et bon. Merci. Ça va vous guider, je vais te faire la wana. Merci. Je vais te faire la wana parce que je suis là. Non, on a répondu à ce qu'on a fait, à ce qu'on a fait, parce que dans quelques jours, on a fait un peu pour la mort. Sur le fond, puisque vous n'avez pas fait ça. Non, c'est anglais, si vous plaît, tout là, on a fait un peu pour la mort.
C'est une question pertinente et poignante. Maintenant, vous répétez, Nayo Sambo, Namano Banayo, on nous dit que ma chrétien va soit dans la vie, sur la toile. Et tu parles des chrétiens. Tu ne parles pas d'un chrétien. C'est-à-dire, lorsqu'il y a deux, ça écoute plus. Deux chrétiens, bah, vous soyez en Afrique. Est-ce que dans cette affaire, il y a réellement deux chrétiens? Est-ce que dans cette affaire, c'est parce que je m'appelle apôtre Jimmy Malassi que je suis chrétien? J'ai dit que nous avons été butés à l'orgueil. Un chrétien n'est pas orgueilleux. Merci mon frère. C'est un mauvais esprit. Il ne faut pas sans mot. Je l'ai dit, je m'impose à la Wana. Il ne faut pas coller à une personne une étiquette ou à sa côté. Laissez l'apparence, mais recherchez le fond. Nous avons dit que la chrétienne a fait le pas. Bible au temps n'a pas fait un diable. Si l'un tombe, l'autre le relève. Recherchez la paix avec tous. Nous avons commencé par rechercher la paix. Mais pas avec tous, pas avec un étranger. Donc on va dire par ce que vous avez fait pour l'ensemble. Aujourd'hui, c'est la chrétienne qui a fait la démarche auprès du Père. Est-ce que le soi-disant chrétien n'a-t-il pas eu un esprit qu'il a des pères, des anciens et des. Comment on appelle des aînés dans ce qu'il fait comme travail? Nous ne pouvons pas rechercher la paix si et seulement si la personne avec qui nous voulons traiter n'a pas ce caractère chrétien. Mais n'empêche que comme la personne est porteur d'une qualité, nous avons saisi en bonne et due forme les responsables de cette institution pour nous enquérir si et seulement si cette qualité est conforme à l'appellation chrétienne. Secondo, en droit, toute procédure a des peines. Peine d'emprisonnement, peine d'amende, peine. Elle a saisi pour que justice soit faite. Si la justice fait en sorte qu'il y ait des amendes, il y aura des amendes qui seront payées à ma gloire. Je dis, je vous remercie. Merci. Une question. Donc, on va poser une question à la révérend Pablo. Parce que ce matin, autour sur le on a contacté les pasteurs sur une cafouta. Mais d'abord, je me présente, posé comme pour être fier. Un gars qui n'a posé une question là-bas, n'a eu. Mais il y en a posé un moment dans les réunions de travaux, ce matin, nous avons contacté les pasteurs sur une capitale qui est actuellement président de la RDC pour poser quel problème, pour poser quelques questions, pour savoir si réellement il est informé, il y a dossier, il y a un déco également, dans des communes. Pasteur Souni. Sur base des informations qui sont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est d'abord la première chose. De deux, l'église Bethel n'avait pas parlé, n'avait rien dit. C'est ainsi que j'ai cherché d'abord à rencontrer la famille. À rencontrer la famille d'Eliane et puis voir Eliane elle-même et savoir de quoi il s'agit. À l'état où nous sommes, je peux bien vous rassurer, même si le collectif des avocats tient à aller jusqu'au bout, si je suis venu dans cette conférence de presse, c'est parce que l'église du réveil ne peut pas aller dans les réseaux en train de demander à tout le monde, attendez qu'on puisse parler. Donc le collectif me permet de dire que nous demandons au collectif et aux parents d'Eliane et à tous ceux qui s'agitent aussi dans le camp du pasteur Moïse d'arrêter d'abord toutes leurs procédures. Pourquoi? Parce que si il est question que Moïse Mbillé demande pardon ou qu'il dise quelque chose, nous ne sommes pas en train de dire un tel a raison, un tel a tort.
Vous voyez comment vous êtes en train de vous agiter. Tantôt, c'est une relation qui était là, qui pouvait évoluer. Tantôt, c'est dératé. Avec tout ça, ça ne fait pas l'honneur d'un pays. Nous nous demandons d'abord au collectif de nous donner du juste deux jours. Parce que le samedi, nous voudrons avoir autour de nous la famille d'Eliane, Eliane elle-même, les anciens de Bethel, parce que le pasteur Moïse n'est pas sur place pour écouter, parce qu'il est écrit ceci. N'écoutez jamais l'accusation contre un ancien, si ce n'est que sur deux positions de deux ou de trois témoins. Alors ici, nous nous retrouvons dans une situation où il y a plusieurs témoins, tous les réseaux sociaux. C'est plusieurs témoins déjà à la fois. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous demandons. Je suis venu, j'ai accepté d'être là pour supplier les collectifs. Supplier et la famille. Dit, donnez-nous deux jours. La journée d'aujourd'hui, et disons de jeudi et de vendredi. Parce que le samedi, à partir de 12h, je pense que tout le monde peut être déjà dégagé. Qu'on se rencontre au quartier général de l'armée et l'éternel, là où se trouve le président et évêque général. Le président du conseil des sages, c'est notre structure qui est chargée de la discipline, de l'audit et des règlements des conflits. Moi-même, en tant qu'inspecteur, j'ai déjà suffisamment de preuves. Le président va avoir le rapport et l'église Bethel peut demander carrément au pasteur Moïse de suspendre ses prédications. Et même le président de Michel peut demander au musicien Moïse de suspendre ses prestations de telle sorte qu'on règle d'abord ce qu'il y a à régler. Ça, c'est ce que je vous demande. Je vous demande à vous d'informer à tout le monde que le président de l'Église du Réveil a pris en charge le dossier. Nous demandons au collectif, c'est leur droit. Parce que même quand ils arrivent là-bas, on peut dire « arrangez-vous à l'amiable ». Mais et quand il y a une démarche, ça peut être suspensif aussi de peine parce que nous ne sommes pas dans le pénal. Je pense que il faudrait. Dans le pénal, oui. Dans le pénal, l'action publique est déjà déclenchée. Elle est déjà déclenchée. Oui. Bon, alors, c'est le ministère public qui va tout gérer. C'est pas grave. Je voudrais vous demander de nous comprendre. Je demande au collectif de nous donner des jours. Ça veut dire la journée de vendredi et disons de jeudi et de vendredi. Non, pourquoi on est. Quel est votre intérêt dedans? L'éclaircissement, c'est ce que nous voulons. Bon, je pense que ce n'était pas un échange. J'étais en train de répondre à une question. Je vous dis que l'Église du Réveil est supposée être officiellement saisie aujourd'hui parce que l'affaire n'était pas encore arrivée au président et que dès cet instant que je me suis présenté devant vous, donner la possibilité à l'Église de Réveil de rencontrer la préoccupation des collectifs d'avocats et de la famille pour qu'on puisse arriver. Une question, l'avant-dernière. Je me présente au nom de Nick Domingos. Je suis là pour Beignet TV et mon centre de TV. Question à moi et à l'envie. Elle est là tout là. Dans ce moment, la sœur Eliane, la disait pour la 12e apôtre, la disait pour la 13e apôtre, à cette minute, donc tout tourne. À Babel, la ville est basée déjà, donc voilà la question. Question de Babel, c'est que pourquoi Babel, quand le pasteur Sony n'avait pas cherché un moyen de résoudre ça, tant que quel est qui n'ont fait le capot. Et quel est le nom de qui va le comprendre, et comme le roi va eux. Maître Jimmy, une dernière question à dire. Okay. Bonjour maître. Bonjour Eliane. Procès Rouyou, on en revient au procès. Excusez-moi d'être en plein intervention réducteur.
Je vous dis honnêtement, pour cela, la image, pour tout ça, éclairci. Je me suis rendu compte de plusieurs choses. Mais deux choses, d'abord, il y a ça, il fallait les tribunaux, les pères, les parlements. La maman, la petite, mais tout ce que ça, on a tribunal, les pères. Dans tout cas, dans le Russie, dans tout le monde, avec le ministère public qui est très regardant, je ne vous apprends rien. Beaucoup de droit. Attends, les lots, il va le pique et puis nous, au sein de comment on l'appelle, pour retirer plainte. Les ministères publics va continuer. C'est-à-dire, tout le cas, tout qui n'est pas général, ce n'est qu'à foutre, ce n'est qu'à décider. Mais les lots, vous vous souvenez, c'est la question de la question de vous comprendre. D'ailleurs, on va s'en faire à peu près trois quarts d'heure dans la vie pour Yoga. À un moment donné, je me suis dit, ça ne dépend plus. Aidez-nous, aidez-vous. Et comme il y a un mot pour vous, il y a une affaire d'État. Eh bien, vous vivez ce que sur l'image, si vous ne le savez pas, le pasteur Moïse, à se tenir, ou à vous détenir, par un miyabadou, il est. Les gens ne cherchent pas à les louer, mais les gens cherchent à être édifiés. Cette affaire va édifier beaucoup de gens. C'est comme ça, nous, épisodique, n'est pas comme ça. À un moment donné, on commence à se fatiguer. Dans notre pays, on est dans la construction des aéroports, je ne sais pas, de tout ce qui est. Là, on est en train de s'attarder, excusez-moi, sur des frivolités. Et puis, tout le monde est comme ça, frivole. Allez droit au but. Tout le monde, excusez-moi, ancien. Le moins important, écoutez, c'est dans ma droite, ok, dans mon droite, si c'est le pasteur, c'est la clé, ok, si elle est en train de se défendre, on le fera. Parce que la clé est la sous, est sous. On est dans l'observation. Elle est à et le mot est obligé que nous sera sous clip n'a pas fini. Et ça, je pense qu'on peut avoir aussi une image par rapport à toi. Est-ce que vous avez un malade ou tout ça, un malade? Est-ce que vous avez un malade pour finir? Ça dit, vous pouvez. Merci. Tout le monde, on va dire, c'est pas le mot. Merci, merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, qui répond, s'il vous plaît. Je vais commencer par répondre à Monsieur Nati Lokolé, s'il vous plaît, ma quête est de qui est-ce qu'on peut s'entendre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'entendre? Mon frère, s'il vous plaît. Merci. Je voudrais dire que, monsieur Lokolé, vous avez l'impression que cette affaire ressemblerait à un feuilleton, parce que c'est une première en République démocratique du Congo, de voir une jeune fille briser la peur et défier un homme à hauteur de Moïse Mbillé pour ne dire que la vérité. Nous n'avons pas saisi la justice pour intimider qui que ce soit. Et nous, par contre, nous n'intimidons pas la justice. Mais comme vous parlez en termes d'édification, rassurez-vous que le peuple de Dieu sera édifié au travers de ces dossiers. Il n'y a pas de problème. Si Dieu m'y a fait la prison, c'est parce que le dossier a évolué à un niveau. Nous nous disons que nous avons confiance en la justice congolaise. Et nous avons saisi la justice pour que la cliente puisse être rétablie dans ses droits. Deuxièmement, vous avez parlé de la présence de ma cliente Eliane dans un clip. Et vous avez renchéri en disant ce qui a Banda Makambo et ma Bekala. Je me pose la question si paraître dans un clip. Je suis en train de dire ceci. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Tolérance. Cher mon frère, tolérance. Je dis ceci, s'il vous plaît. Nous avons accepté aussi cette invitation pour être clair. Je me pose la question si cause à la figurante dans le clip à Kofi Zambabé. Ok. Maintenant, dans les cas d'espèce, je voudrais que vous et moi qui avons vu ce clip puissiez me montrer réellement. Que vous puissiez me montrer la vidéo où vous voyez clairement comme ça le visage de Madame Zéba. Je vous dis ceci, ma cliente n'a jamais. Est-ce que vous voulez que je puisse répondre ou que je ne réponde pas? S'il vous plaît, sinon nous interrompons la conversation. S'il vous plaît. Au-delà de tout ce que vous pouvez dire, je ne suis pas un menteur pour vous dire quoi. Ma cliente n'a jamais fait un clip ou participé à un quelconque clip de Monsieur Kofi Olomide. Apportez-moi en la preuve et je pourrai vous répondre par rapport à ça. Dernière question, vous aviez dit, là, il y a une sœur qui aurait dit que Ponanini, Azawa Pindeko, moi, je suis posé la question. Ponanini, Ndeko Eliane, malgré Makambo et Salaki, Azara dans la Betel Tilelo. Quel sera son avenir? C'est la raison à Betel toujours après. Ce qui est intéressant avec les journalistes, c'est que ma question n'a pas ils allaient directement la réponse. Même mes Bibles et Bissibiso sortaient du milieu d'eux. Et si Ka Mabe et Zali, même si aux chrétienté, mais et si Ka Ozomuna que Makambouza Mabe, Ata Oumeli, Souka Souka Oubi Makata. Pour apaiser tout le monde et conclure pour la Mokola Lelo, je redis au frère qui a parlé du révérend Sonny Kafuta, président d'Exéréveil, pas plus tard que tout à l'heure encore au téléphone, j'étais avec le révérend Sonny en ligne sur une demande de laisser aussi de l'espace pour l'église des réveils de permettre à ce que ce scandale s'arrête. Ça, c'est la demande du pasteur président de l'Église des Réveils au Congo. Nous n'avons pas dit que nous avons accepté, mais il y a eu une demande dans ce sens-là. Pour nous, le collectif représentant notre cliente qui est ici, nous sommes devant la justice et nous pouvons vous rassurer que toutes sortes d'intimidations, toutes sortes de manipulations sera dénoncée et vous ne cesserez d'être saisi sur l'évolution de ces dossiers. Nous sommes en phase préjuridictionnelle, nous continuons avec ces dossiers et la justice fait et fera son travail. Je dis et je vous remercie. Je remercie tous les consoeurs et confrères d'avoir accepté notre invitation pour ce jour. Cette conférence de presse est terminée. Nous attendons le feedback. Durant ce jour. Merci, maître. Merci beaucoup. Et à bientôt. Oh, Congo Libanda, Congo Libanda, c'est toi et Banavuka Congo. Jimmy Achuki, Azili Kanisi Yamalamu Ponako Sepelisa, Banavuka Congo.
Asalili bango.